Quindy, Toumi. Ouais, c'est passé pour Rafika Marzouk. Évidemment, beaucoup de joueuses de cette équipe de Tunisie évoluent dans le championnat français. Alors, on développe ce qu'on appelle un jeu codé, c'est-à-dire on répète très régulièrement les combinaisons et ça va très vite et il y a des automatismes et ça surprend tout le monde. Et là, c'est la Tunisie qui a surpris le Japon avec Toumi, Valérie. Effectivement. Alors, Mouna Sheba au 7 mètres. Aïe, aïe, aïe. Mouna Sheba aussi est un peu tendu dans ce début de rencontre. Ça fait deux échecs au tir. Oui, le premier, c'était entre les jambes. Prise de risque à 9 mètres. Et puis là, on voit, elle est un peu plus gênée, à mon avis, quand la gardienne est sur sa ligne. Et encore un petit lob. Allez. On va en avoir quelques-uns. Je le sens bien. C'était un but de Ayafune et de l'autre et celui-là, côté. C'est une Mouna Sheba. De voilà. Mouna Sheba, voilà. Pour Fuji. Pas de lob quand même, non? On l'a senti venir, Valérie. Déjà lors du premier, j'avais bien vu qu'elle avait fait une sorte de petite feinte. Hein. Ça n'allait pas, comme nous, faire mal à la tête. Profitez de ça plutôt. Alors, le but, il est beau, Valérie, mais le coup, il est impressionnant. Il est pas mal aussi, Atumi. Ishitate, Arami. Oui. En fait, la fin, si on pense que ça va être un kung-fu, mais finalement, c'est pas du tout un kung-fu. Voilà, voilà. El Rawani. Oh, la lucarne! Ici, c'est l'été. Il faut y aller. Eh bien, elles y vont. Les sud-coréennes, les japonaises, pardon. Ishitate. Ouh. Et oui, prise de risque. Ouais. Il n'y aura pas deux minutes. Toumi. Sur la base arrière, c'est vraiment Toumi qui fait la différence. Il faut aider son équipe comme on peut. Et là, actuellement, elle est en 1 avancée. Yama, c'est marqué. Plus 2 pour la première fois de la rencontre pour le Japon. Et on retrouve Dawadi. Dawadi au 7 mètres, 19 ans. Les deux premiers ont été marqués. Et le troisième est arrêté. Il y avait peut-être évidemment un moment où ça allait s'arrêter tout cela. Parade d'Hiromi Tashiro. Le tir n'était pas très très fort. Il fallait bien attendre et de voir. Ouh là là, par contre, ça s'appelle une cravate. Et ça. 2 minutes. Ça hein. Va être 2 minutes ou carton rouge. Ils se regardent, les arbitres. Oui, il y a une décision qui va être voilà. Prise. Hein. Qui n'est pas rentré. Oui, et là, ils se regardent, ils se parlent. Le rouge, 2 minutes, le rouge. Et c'est le rouge. C'est Wided Kilani qui prend donc. Donc, un carton rouge, voilà. Ça veut dire exclusion. Elle ne reviendra pas sur le terrain. Elle va aller tirer, oui. C'est simple. Un croisé. Donc, il pourra en prendre 2 dans cette deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de problèmes là chez les Tunisiennes. Elles n'arrivent plus à se retrouver en attaque. Kuroki, elle l'est passée et ça marque. Ouais, elle est gauche. Quelque chose, ouais, là. Elle ouais. Était pas... Fuji. Au 7 mètres. Et là, le Japon est en train d'aller chercher la victoire, là. Qu'est-ce qu'ils ont, les poteaux? Et un lob, Valérie, ça tient toujours. Il n'y a toujours pas eu d'arrêt de lob. C'est incroyable. Yafune, Ishitate, Fuji, c'est marqué. C'est super ce qu'elles ont fait. Et ça sera pour Ariyama. Oh, oh, oh. Ariyama, la plus grande joueuse de champ de l'équipe japonaise. Il y a quand même... Là, je pense que la Tunisie tient une grande joueuse en devenir. Et Toumi, ça revient, ça grignote, ça grignote. Toumi. Oh 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 oh. Ah, dès qu'elles oublient de remonter les japonaises, Toumi en profite. Mouna Sheba, Dawadi, et là, oui, vous avez vu cette passe encore géniale de la toute petite Dawadi. Et El Rawi, cette fois-ci, elle a eu le ballon. C'est une passe géniale. Mais d'où elle vient, cette petite de 19 ans, là? Parce que Toumi va revenir à Ariyama. Le Japon qui prend une option. Bon, alors là, les filles, allez, ça sera pour Mouna Sheba. Ça sera pour Mouna Sheba. Elle a lobé. Et c'est encore un lob qui passe. Ils sont tous passés, les lobes. Un petit but d'écart. But de Mouna Sheba. Elle n'a pas tremblé. Un décalage. Dawadi, Dawadi, Dawadi. Elle aurait pu tenter le décalage, mais non, elle est toute seule. Limite du passage en force. 30 partout. Donc là, échec égale élimination hein, pour la Tunisie. On est d'accord. Ah,
Tawadi. La bonne joueuse de tout avant qui vient de marquer, Frédéric. Oh, il est prêt. Bon, mais attention, Fuji. C'est marqué. Oh, Fuji. Oh, quel talent, Fuji. Victoire du Japon. Le Japon, on peut le dire maintenant, est qualifié pour les huitièmes de finale des championnats du monde. Elle a fait 7 sur 7 aux 7 mètres. Fuji.